Donc, comme vous pouvez le voir, j'en ai profité pendant le secondaire pour acheter la coupe de cheveux que nous voulions la dernière fois. Et voilà. Voilà. J'ai eu d'autres tenues également. Et mis à part ça, pas grand-chose de plus, je crois. Donc, nous sommes partis sans plus attendre pour la suite de notre aventure. Vers la suite. Alors, avant toute chose, j'ai une question moi à vous poser. Est-ce que vous voulez qu'on aille potentiellement explorer la zone qu'il y a ici? Ou vous voulez tout de suite la suite de l'histoire principale? Voilà, là est ma question. On va Hey, pète salut la petite toi. bête. Voilà. Il est content, il a eu son câlin. Toujours les lames blanches, bien évidemment. Du coup, il y a un passage ici. J'ai tout qui bug, je ne vois rien. Ah! C'est un problème, en effet. Il y a ici une zone, mais je ne sais pas si elle est principale ou secondaire, du coup. Je n'ai pas la moindre idée. Bien le bonjour, voyageur. Salut! Faites pas attention à la bestiole. Elle aime pas les étrangers. La montagne non plus d'ailleurs. Soyez prudents. On va essayer. Merci. La folie des prospecteurs qu'on l'appelle. Le terrain est traître. Comme tu le et sens. Grouille de toutes sortes de On va faire un petit peu de secondaire On dans a ce un peu cas avant d'y l'habitude. aller. Il y a des trucs au-delà de ces rochers. C'est à vous en glacer le sang. Ah! On en a des histoires à raconter. Ok, il m'a tout dit. Nom d'une croûte de sel! Quelle cacophonie! T'as des clochettes aux pieds? Comment tu t'appelles, gamin? Je veux connaître ton nom si jamais je dois t'en vouloir. Moi, c'est Cal, et voici BD1. Ma vieille mère m'a appelé Scuba Steve. Je vais manger, je reviens après. Je bon suis appétit! Scuba le pêcheur. Tu sais, il y a un aquarium au Pailoon Saloon qui aurait bien besoin qu'on s'occupe de lui. Le Pailoon Saloon? Ce bar de pieds secs mal famé au fond de la vallée? D'accord, d'accord. Tu forces la main? Très bien. Retrouve-moi au saloon et on regardera ce fameux aquarium de plus près. Oh. Je savais que tu reviendrais. Ceux qui goûtent aux embruns sont condamnés à revenir à la mer. J'imagine. Tu m'as tout l'air d'un pêcheur. Heureusement pour toi, on est juste au-dessus de la tanière du poisson-ci. Ce poisson t'intéresse? C'est ça. Il est impossible à attraper. Aucun pêcheur sain d'esprit s'en prendrait à un tel adversaire. Aucun. Sauf Scuba Steve. Ça veut dire que si là je plonge, je meurs? C'est ça l'idée? C'est pas super. Poisson-ci, nouveau poisson découvert. Je ne sais pas. Un ascenseur de fret. Et on peut y faire quelque chose à ce truc? C'est bloqué par ici. Ok. On ne peut apparemment rien y faire. Là en bas y'a rien. Non. On ira voir l'autre côté juste après, hein. Vous en faites pas. Voyons ce qu'il y a là-bas, BD. J'ai des petits problèmes de son qui ne me plaisent que trop peu.
sera pas facile. Pense au trésor, Shanna. Allez. Shanna. Okay. D'accord. Oh. Hop. Regarde ça, BD. De la priorité. Parfait. Donc cette petite zone là, on pourra... Oh, attendez, il y a un truc là-haut. Ouais, je peux pas l'atteindre pour le moment. On va quand même méditer ici. Manière de, d'avoir le point. Parfait. Oh. Sérieusement ? Ouais, tu l'as eu au retour. Et eux ? Attention soldats, intrus en vue. On ouvre les feux ? Abattons-le ! Négatif, ce champ de force peut résister à toutes les attaques des autochtones. C'est interdit au public. Demi-tour, Verlin. Je ne fais que passer, rien de plus. Tout ce qui dépend du racier ne peut pas traverser ce mur d'électrons. Prêt à faire feu, chef. Abattons-le avant qu'il devienne gênant. Négatif, on a des ordres. Tu ne pourrais pas faire une exception ? Répète-moi ça sans le bouclier. Tu vas désactiver ce bouclier. Je t'ai déjà montré mon autorisation. Tu m'as déjà montré ton autorisation. Chef. Il est bugué, lui. 183 postes de contrôle. Abaissez le bouclier. Bah dites donc, c'était plutôt facile. Excellent. Parfait. C'est déjà un bon début, c'est parfait. Ouais. Il y a des machins qui hurlent et qui font des bruits infâmes. Mais j'ai l'impression que pour le moment, on ne pourra pas aller plus loin que cela. Bon, c'est déjà pas mal. On a obtenu un petit quelque chose, on va aller voir de l'autre côté maintenant. C'est parti. Cascade des contreforts. Rien ici à scanner ou autre ? Moi, apparemment pas. Est-ce qu'il y a des choses dans le fond peut-être ? Un coffre, un truc ? Ah, regardez. Voilà. Et là, Pomo, patience. Intéressant. On regardera ça dès qu'on pourra. Poster sur TikTok. Merci beaucoup. Allez, allons rapidement voir ce qui se passe vers là-bas. Attendez, hop, ça d'abord. Attention, c'est bon, pas la peine de... Oh ! Je te tiens, Shanna. Ah, oui, merci. En même temps, elle est là. M'ennuie ! Autre chose pour votre service ou ça ira ?
Bon. J'ai barré le passage. Je suis... désolé. Adieu. Oh, un nouveau. Qui es-tu? Moi, c'est Cal. Et voici BD1. Tu es là pour nous sauver? On ne faisait qu'explorer. T'es là depuis combien de temps? Nous sommes pris au piège ici depuis au moins un cycle standard. Peut-être plus. Nous? Oh, oui, il n'y a plus que moi. Et depuis un moment. Mais tu as dégagé la voie. Les pillards sont partis, non? On s'en est occupé. Tu devrais partir avant que d'autres arrivent. Oui. Je vais retourner à l'avant-poste de la vallée du Vagabond. Nous habitions là-bas. J'espère que nous le reverrons. Parfait! Ça paye, dites donc! Ah, l'odeur est puissante ici. Ah, intéressant ça. Ah, mon fils! Je dois trouver un autre chemin. Ouais, bon, je vais pas m'y aventurer hein, pour le moment. Oui. Cette espèce de fleur bombe là, étrange. Des droïdes. Les pillards ont piégé cet endroit. Voilà, c'est parfait. J'aurais du mal à faire bouger ça. Bon, ben, il semblerait que tout cela soit pour une autre fois. Et je ne sais pas à quoi servent ces espèces de bombes. Ça devait être pour le combat. Voilà, parfait. Nickel! On va pouvoir reprendre notre quête principale. Bon, je suis prêt. Attendez, bougez pas. On va faire ça vite fait et bien fait. Parce que pour le moment, il semblerait que nous n'ayons pas d'autres accès. Donc, au mieux... Allons-y. Dirigeons-nous vers la suite de notre histoire. C'est bien pour cela que vous êtes là ce soir. Et le pot de secondaire n'a de toute façon pas fait de mal. Allez. Zed, t'as l'air comme neuf. En effet, ce mixolode mécanique fait de vrais miracles. Je dois savoir, as-tu trouvé où était la clé de Dalalor? C'est un peu compliqué. Mais on trouvera. Monk m'a raconté ce qui s'était passé pendant mon sommeil. Dire que l'ordre Jedi n'est plus, cela a dû être atroce pour toi. Nous avons tous deux traversé tant de choses, mais nous devons persévérer, Cal. Après tout, que pouvons-nous faire d'autre? Ouais, c'est vrai. En revanche, tes doigts qui passent au travers de ma tunique, c'est un peu bizarre. On a de la place pour toi. Je vais rester ici, mais si tu as besoin de mes conseils, tu me trouveras au saloon. C'est pas plus mal, je t'aurais pas supporté, hein, de toute façon. J'ai de la chance de t'avoir rencontré, Cal Kestis. J'ai trouvé quelque chose.
Et quoi donc? Un autre holocron? Un Jedi. De l'époque de la Haute République dans une cuve à Bacta. Dagan Gera. Je l'ai libéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a attaqué. Et s'est enfui avec les pierres du chaos. C'est lui qu'il recherchait. Il dit que les Jedi l'ont trahi. Et qu'il est passé du côté obscur. Ah, ça va, petit gars? Tan alors. C'est pas une légende. C'est quelque part dans l'abysse. Oh non, c'est impossible! L'abysse engloutit tous les vaisseaux qui s'en approchent! La République a trouvé un moyen de passer il y a plusieurs siècles. Ça explique leur complexe dans la forêt. Ravre caché que personne n'a réussi à atteindre pendant des siècles. Si tu découvrais comment franchir l'abysse, tu pourrais... disparaître. Complètement. Plus de pillards du chaos. Plus de chasseurs de primes. Plus d'empire galactique. Ah, c'est que des spéculations, mais j'avoue que ça ressemble à un endroit qui pourrait devenir un foyer. Oui. Ça se pourrait, oui. Enlève tes pieds de là. Bon, moi, je retourne à la cantina. Tu sais, Grise, on aurait besoin d'un vrai pilote. Non, je sais pas, je veux dire, tu t'en sors très bien tout seul. Enfin, tu pourrais nettoyer la fourrure de Potoli de temps en temps. Tu connais mieux le Mantis que nous. Mieux que personne. Oh, calme. Non, je regrette. Je suis trop vieux, c'est du passé maintenant. J'arrive à peine à tenir mes cartes. Je sais que les choses sont différentes aujourd'hui. Mais sans toi, je sais pas si j'y arriverai. C'est vraiment ce que tu penses? Oui. Bon, je peux éventuellement demander à Monk de garder un œil sur le saloon. Les doigts dans le nez. Ouais. T'es avec nous? Mais il n'y aura pas beaucoup de crédit à la clé. Cal, une aubaine pareille, ça se représentera pas. Imagine, plus besoin de vivre dans la méfiance. Un lieu sûr pour nous. Et pour les êtres qui nous sont chers. Si quelqu'un connaît un monde Jedi perdu, c'est serré. Jedi, ah, c'est pas trop tôt. Il était grand temps que tu lui rendes visite. Bon, très bien. Je vais nous faire des casse-croûtes avant de partir. On retrouve notre bon vieux pilote commandant. Ah, d'accord. La boutique de Z. Jardin sur le toit. Intéressant. Vous savez quoi? Je vais quand même aller jeter l'œil là-dessus parce que ça m'intéresse grandement du coup. Ouais, je sais. Retrouver serré sur Jedha. Oui, non mais oui. Mais avant toute chose... si, c'est par là. Avant toute chose, je vais aller voir la boutique de Z. Ça m'intéresse ce qu'elle a. Pourquoi il y a le bouton qui veut pas disparaître? Ah non, hein. Non, pas maintenant. Oh, bordel. Oh. Merci, c'est bon, il a disparu. Je suis désolé, il y a quelques textures qui ont du mal. Bien, installe-toi au bar. Qui es-tu, toi? Bonjour, étranger. Vous pouvez m'appeler Cal. Non, je ne crois pas. Très bien. Vous ne ressemblez pas aux autres prospecteurs. Non. Ils creusent en quête de trésors. Tout l'acte creuse en quête de choses autrement plus élusives. Vous gagnez beaucoup de crédit dans ce secteur? La sagesse ne se gâte jamais. Et nul n'en a jamais assez. Toi, je sens que tu vas me bourrer le chou. Ça ne m'intéresse que peu. Grise a toujours aimé les objets d'art excentriques. Alors, où est-ce qu'elle est? C'est ça la boutique de Z? C'est ça? J'y crois pas. Pas un seul instant. Elle est où? Ah, elle est là. Peut-être que ceci t'aiderait? Oui, ça mérite bien ton attention. Ce sont des pièces et des avantages. Ça, c'est quoi? Emplacement d'avantages, ce serait intéressant. Des couleurs de droïdes, métaux de base.
caoutchouc texturé, métaux usés, plastoïde dur. Et des trucs pour le petit BD1. Remarquable, n'est-ce pas? Avance prudemment, Cal. Ouais, t'inquiète pas. Donc y a pas de truc ultra intéressant par contre ici. Quelle vue! Je parie. On pourrait planter un super jardin ici, avec un peu d'aide. Ah, intéressant. Bon, essayons de planter les graines qu'on a trouvées. Elle a des variantes incroyables. Ok, je vois comment ça fonctionne. Je ferai ça de mon côté. Je tâcherai de faire quelque chose de sympathique. Pour le moment, on va continuer l'histoire. Je m'occuperai de du jardin et tout ça plus tard. Juste faire un petit tour là en dessous. Il y a des portes ici, ici et ici. Mais il n'y a rien d'autre. Ok, fort bien. Pas de coffre, rien, on peut y aller. Allez, c'est parti. Direction la suite de nos aventures. Et ben c'est parti. Jada, voilà. Les latéraux supportent mal le froid, tu sais. Ça doit être agréable de remonter dans le cockpit après si longtemps. C'est vrai, ouais. C'est le temps de me réhabituer. Je suis jamais allé sur Jeddah. On va dans la ville? Non. Aux dernières nouvelles, Ceres se planque dans le désert avec des ermites bizarres. Les Anachorètes. Ah, attendez, quoi? C'est un tout petit peu buggé là, mais on ne dira rien. Hein, voyons voir. On va rester là-dessus. Hein. C'est très bien. J'ai rien eu d'autre, je crois. Si, un inventeur, je crois. Vérifions notre équipement. Attendez. Non. J'avais pas eu. Écoutez, on va rester là-dessus. Hein. Non, c'est là. Patience, diligence et harmonie. On va rester avec harmonie parce que je le trouve particulièrement stylé. Allez, c'est parti. Notre petit BD1 doré, on va le garder. Noir et doré, il est magnifique, il me va. Cal Kestis. C'est un honneur. Oui, salut. Ceres est là? Il nous tarde que vous arriviez. Toutefois, une tempête de sable fait rage actuellement. Il serait trop dangereux pour vous de vous poser ici. Comment je vous rejoins alors? Maître Junda a envoyé une escorte qui vous guidera jusqu'à nous. Quoi, elle envoie quelqu'un d'autre? Je transmets les coordonnées du point de rendez-vous à votre pilote. C'est bon, je les ai. Débarquez avec précaution. Des patrouilles impériales ont été aperçues dans le désert. Mmh. Merci pour l'info. Bon. Ils me font froid dans le dos. Je me demande quel genre de dégénéré elle va t'envoyer. Et l'Empire est là aussi. Je m'attendais pas à ce genre d'accueil. Anachorète Narkis. Vous
Désolé, petit gars. Impossible de s'approcher plus près avec cette tempête de poussière. Le point de rendez-vous est plus très loin. Restez là, vous deux. Je vais trouver le contact de Serré. J'assurerai la sécurité de Grise. Grise Tritus a pas besoin de babysitter. Quelqu'un a besoin d'une sieste. Fais gaffe. Fais attention là-bas. Essaie pas de jouer au héros, d'accord? Grise, est-ce que tu racontes des histoires sur moi? J'ai d'autres sujets de conversation que toi, petit. Nous sommes tombés. Alors déjà, je vois qu'il y a un petit truc ici, mais ça doit être un retour. Oui. Ici, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Là-dedans, il y a une tyrolienne. Fort bien. Et là-haut, je ne pourrais que... potentiellement pas... Allons retrouver l'escorte de Serré. Le point de rendez-vous est droit devant. Et... ah d'accord, j'ai compris. Impossible. Fort bien. Il va falloir grimper. Accroche-toi, BD. Oh. Je dois faire attention. Jeddah. Pas mal. Allons voir. Bon, on y va. Éloignez-vous les sables ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On s'en fout ! Cours si tu veux pas mourir sous ce caillou ! N'approchons pas du sable, BD. Je veux pas finir en casse-croûte. On dirait un moulin à prière. Qu'on s'approche pas du sable, je veux bien, mais mon ami, ça risque d'être un peu complexe en fait. Ouais. Je sens que cet endroit va être un vrai défi. Un oculaire, des capteurs audio pour le petit BD1. Ouais. Je suis pas très inspiré, je vous avoue. On va essayer de revenir là-bas. Manqué, parce que j'ai vu qu'on pouvait passer par là, je crois.
bas il y a une bestiole. Oh, salut. Détends. Tout de même. T'as trouvé quelque chose, BD? Un sutaban. Fort bien. D'accord. Mais il semblerait que là-haut, il y ait des choses. Ce qui m'intéresse grandement. Pas atteindre. Ouais, d'accord, c'est bon. J'ai compris. Ça ne sert donc à rien. Le problème, c'est que moi, pour monter là-haut. Ouais, voilà. Un parchemin. Je sais pas depuis combien de temps il est là. Parchemin de Jeddah. Nous lèverons le camp à l'aube. L'eau commence à manquer. Si nous ne trouvons pas une oasis, nous n'atteindrons jamais le pont du pèlerin. Et ça, ça m'emmène donc en bas. Ah, pas totalement. Ok. Pipapoum. Ok. Alors j'ai vu le passage, hein, ne vous en faites pas. Ce n'est pas que ça m'enchante, mais enfin. Chuuuuch. Ça encore? Vagabond. Voyons si on peut faire quelque chose. Une faille de la force. Hein? Vous voyez ça? Le voilà encore. Bon, très bien. Regardez,
BD. Il n'arrive pas à suivre. Il arrête pas de bouger. J'ai esquivé, wesh. C'est 3 à m'attaquer en même temps. Mettez-lui la pression. Salut Jess.